Gros nouvelle, mon ami yo, bienvenue. C'est sous TAC 509 ou connecté n'importe côté où yé. Depuis où c'est haïtien, ou doué compte tout ça qui a passé en Haïti ou à l'étranger. Pas oublier, abonner, commenter, liker, partager vidéo pour travailler là, capable d'avancer. Zami Pao Foucault. Nouvelle ça, tombé tant qu'on plongaye dans le pays d'Haïti. Ou quoi c'est ta vrai Jésus? Pour premier ministre Claude Joseph, t'a impliqué dans assassiner président Jovenel Moïse. Nous pas qu'à monter sous dossier à comme ça, mesdames, mademoiselles et messieurs. Faut continuer fouiller zone en Kalalou pour nous connaître de qui manière, de qui manigance, est-ce que c'est ratkay cap manger paille kay vrai. Mais, à travers information cap si qu'il y a deux hypothèses que nous devons connaître. Donc, première, ça qui arrive FBI avec CIA à mettre pression sous Claude pour libérer Colombien, ou bien, yo t'a décidé retirer le tête pays ya pour placer Joseph Lambert, donc yo joué de ça. Et ça qui paraît grave, c'est que c'est un journal dans le pays Colombie qui publie, jusqu'à présent, aucun, aucun news, CNN, et New York Times, pour qu'on jamais poste bagay là. Donc, bah, là paraît, on t'y j'en suspecte, est-ce que c'est pas payé ou payé pour faire propagande, parce que y'a lobbyiste dans le dossier. Bah, là, vine paraît, on t'y j'en compliqué et mangomé, parce que, pour que l'autre t'a impliqué dans cause ça. À la race bagay la tap race pour Léon Chaloué, li même avec Claude Joseph qui tap bay conférence de presse et puis l'ouest c'est lui qui pral marre Claude Joseph met en prison. Si c'est comme ça bagay la taille pour tout bon, et bien pas caché d'où ça qui arrive ou pas j'en ai un grand dirigeant l'autre semaine dans le pays d'Haïti parce que tout t'a impliqué dans le dossier assassiné président Jovenel Moïse là. Mais qui ça, eh bien, journal en ligne là, lui-même li dit. Mais non, journal là. Journal là, relé Caracol News, eh bien, yon déclaré que assassinat président Jovenel Moïse te commencé planifié depuis en novembre 2020. Dans yon bâtiment siège City U Security Miami. Dans réunion ça, te gagné Vénézuélien Antonio, qui se propriété entreprise là, gagné un directeur entreprise colombien qui se Agankel Pretel, gagné haïtien américain James Solage, gagné diplomate haïtien et non c'est Ascara, gagné médecin haïtien qui c'est Christian Sanon que yo prend et ceci gagné un colombien qui relé Jonathan Rivera Garcia que la police a cherché. Donc tout le monde ça a été participé dans réunion dans Miami et ceci complot a été fait juste pour être capable de touiller président et remplacer lui par Claude Joseph. Mais ça paraît un petit genre ridicule parce que tout 2020, tout novembre 2020, c'est pas Claude Joseph qui était premier ministre. Au contraire, c'était Jout qui était premier ministre. Et Jout pral qui était pouvoir, moi, quoi, c'est dans commencement mars. M'koué, Jout pral remettre démission. Donc, en ce sens, est-ce que moun yo comprendre ça yop dire? Est-ce que c'est pas propagande yop fait tout? Donc, en ce sens, yon déclaré que enquêté haïtien ensemble avec FBI considéré et premier ministre t'a participé dans crime ça, dans touye président. Est-ce que c'est vrai? Donc, de toute façon, n'abtan des sources fiables qui ont publié causer ça parce que dans moment là, chargé moun kap tweeté, chargé moun kap parler. Jusqu'à présent, Claude Joseph lui-même li stil rete dans silence li. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, bagala, t'as rasé pour que Claude Joseph pral brakon. Non, mais qui est-ce? Non, mais Léon Chal. Pendant m'ap dou ça, eh bien, Dimitri a même li a bakon, et puis pour Léon Charles, papa dit vous êtes en cas d'arrestation. Oh! Non, bagala tap compliqué. Et koun yam tap pral comprendre qui sa te fait Claude Joseph, pat ka pran yon minute de recueillement vrai. Qui sa te fait te chaud devant ban nan. Donc, en ce sens, est-ce que c'est ta vrai? Yon information nous même na bay ensemble avec en pile réserve parce que, et c'est pas un bagay qui vérifie aucun média nan pays les États-Unis pas certifié ça. Donc, en ce sens, Colombie a travaillé pour intérêt. Et yo besoin monsieur yo, ni Fox News ni CNN aucun média dans pays les États-Unis pas publié bagay comme ça frères et sœurs. En tout cas, restez connectés ensemble avec nous parce que gros dossier transition cap géré là, pas quitter moun bouyer ou pas quitter moun fort faire tintin. Restez connectés parce que là nous même depuis information tombé, n'a toujours porté le baou dans bon ti mamite. L'autre information qui très important, eh bien j'en wap gade photo ça, ça c'est Martine Moïse. Bagay yo
grave malgré madame l'infirmier que li arrivé réveillé donc ouais que Martine vin vraiment pitié automatique parce que l'on konn te gon nèg la te bon koto nèg la c'était ou même avec qui te konn a bat mise fait là ou te puis c'est comme ça yo choisi assassiner le trouyer non et pareil franchement ou pas ta arrêter avec chaise ou donc de toute façon n'a prié bon Dieu pour que dame dans lui même li capable reprendre ni et pour toute bagarre aller bien pour lui. C'est vrai que président mouri mais espérer que justice li jeune justice et non seulement ça tout li pat mouri pour grand merci pour pays ça le tab bataille pour Haïti ça le rêvé nous te gagné pour nous tout tab vivre pour nous tout te sous même piédestal pour nous tout cajou même privilège là que l'arrivée faite pour tout bon. 8 jours après, président Jovenel Moïse assassiné par un groupe mercenaires qui était débarqué la Kaili. Mais c'est ça yo crasé toute zone, pété tête li, criblé la balle etc. La police nationale avec divers gros lot enquêtés en cours États-Unis et Colombie te mette pied ou te rapidement pour mener une enquête pressé pour connaître qui est-ce qui t'a derrière Zak assassinat ça. Et bien après 8 jours, yo t'a enquêté, bilan enquête la sorti dans vidéo ça, ou pral gen chance konnen comment plan te monté, qui va les moun qui impliqué, combien ont arrêté déjà, qui est-ce la police a cherché et qui est-ce qui auteur principal assassinat ça. Comme petit proverbe créole l'a dit, bat chien tant mettre li. Mesdames, mademoiselles et messieurs, c'est sous parole ça m'a dit bienvenue dans bulletin information. Journée jodi a pendant m'a invité ou rale ti chaise ba ou si ta confortablement fou ko zami info pa rentre la caillou tout tripotay sa yo nan bon ti mamite. Sans pas oublier dans moment là président Brésil là vraiment en danger. M'a dit bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est. Encore une autre fois m'a dit merci. Merci parce qu'on fait une confiance pour nous informer et merci pour fidélité ou patience. Merci parce qu'on like, merci parce qu'on abonne et merci parce qu'on partage vidéo, ça fait un plaisir en pile. Encore une autre fois, si fait tomber sous channel là, pas hésiter à activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo. Ses amis Pau Foucault. Mesdames, mademoiselles et messieurs, Jean Ken te annoncé ou DGPNH la Léon Charles, journée jodi a même gen chance présenté bilan enquête sous dossier assassinat président Jovenel Moïse. Donc, comme étant donné son DG a pas trop bon, bon. Quand ça pou yop fè la et puis son an pas normal la. Gon négligence nan bagay yo. Monsieur, prenez nous tande prochaine fois fè bagay la pique parce que nous besoin tande bien tout ça qui dit. Donc, en partie 3. N'a commencé ensemble avec mise en contexte là. 7 juillet 2021, président Jovenel Moïse yo assassiné le président pays. 8 juillet 2021, police nationale la mené yon opération axipo population pour capable capturer assassin yo ou bien mercenaire yo. Gagné des enquêtes qui fait. Enquête administrative dans inspection générale la police là. Enquête judiciaire dans DCPJ. Enquête administrative. Sous plan administratif, eh bien, 24 mais y conservatoire prend à l'encontre divers policiers, ak responsable unité yo, et 4 là dan yo mette yo nan isolement parmi yo, eh bien, Dimitri Erard, et gen 27 auditions qui déjà faites. Enquête judiciaire. La justice lance 7 mandats amenés, gen 4 individus ap cherché, et qui plus passé 50 qui déjà auditionné et audition ça yo réalisé dans des CPJ dans cadre enquête et gagné 10 kay yo saisi. Dans photo ça nous songe que qui t'a fait actualité sur tout réseau social yo et bien c'est tout individu qui planifiait assassinat. Et yo te réuni dans un hôtel en République Dominicaine. Qui pays République Dominicaine yo te réuni. Nan point photo a nou touel se James Solage. Genye docteur Christian Emmanuel Sano et puis nou vin genye magistrat Jacques Mella qui te là nan cause sous table là tout. Bagay yo commencé mélanger. Nou songe James Solage même il te fait croire que c'est comment au premier lieu c'était traduit devine traduit en deuxième lieu il faut comprendre que c'est ton mission c'est ton mandat devine exécuter parole là pas de cadeau. Eh bien monsieur était bel et bien nan planification bagay la. Eh bien Solage lui-même ça li là pour le faire, il fait coordination compagnie sécurité colombien, il fait coordination
compagnie sécurité colombien qui chita col nan Miami. Tonton qui campé a lui-même Caves là, c'est lui-même qui gè compagnie qui collecte corps pour zak criminel ça. Et John Joel Joseph lui-même qui c'est ancien sénateur, la police a cherché té nan réunion à tout côté nous gros toro ça. Pas hésiter relé la police pour mettre monsieur en bas code. Nan photo ça, li paraît piclé. Solage qui placé au sommet fait contact pour recruter yon premier groupe commando nan Colombie avec City You compagnie sécurité ya. Et de l'autre commando qui nan mitan, yo même la police déjà mette yon en bas code. Et l'autre troisième nan ki en bas, monsieur Bradlow Bouchli nan échange coup de balle ensemble avec la police. Photo ça, c'est responsable compagnie, monsieur Rele Antonio Emmanuel Entragrio Barea. Donc, l'ICE propriétaire compagnie sécurité City UA dans États-Unis et monsieur entré plusieurs fois dans le pays d'Haïti pour venir faire mise en contexte ou bien pour venir faire place pour gérer toute cause sous dossier assassinat. Là, nous dans deuxième compagnie. Lui-même, lui fait des marches, signe un contrat avec médecin et Christian Emmanuel Sano pour chercher financement. On va dire bagay la bien monté frères et sœurs. Bagay au fait 1 2 1 2. Tout bagay gon moun k'ap gérer franchement. Si t'es gon moun ki t'ap assurer tout bagay comme ça dans pays d'Haïti 1 2 1 2. Moun sa gè pour gérer tel bagay. Yo pa arrête et puis yo fait tout bagay passer dans temps normal au pays a t'ap loin. Mais des fois c'est seulement dans bagay négatif yo nous active comme ça, c'est seulement pour faire mal, nous prend sang, nous prend temps nous pour nous planifier. Mais les gon bagay ka bon pour faire pour pays a franchement nous pas jamais gè temps pour chercher tout expert ça yo pour nous font bagay qui capable dire 15 20 ans en dans pays. Est-ce que ouais comment nèg yo méchant là? C'est tout contact qui fait la police gè temps maré yon avocat. Donc nan photo ça, c'est différent appel qui passait les hauts déplacés pour yo capable planifier opération. Nan photo ça, t'es déjà gagné un groupe de 4 qui t'es déjà en Haïti. Et 6 juin, nèg yo sorti en République Dominicaine, tout si ke yo retracé et yo paye yo avec yon 4 de crédit. Mais c'est nèg yo sorti en Colombie, yo traversé en République Dominicaine et puis après ça yo entré dans pays d'Haïti. Donc depuis 6 juin yo dans pays a, yo a planifié eh bien assassinat président. Là c'est toute liste non colombien yo. Donc 3 t'es mouri et 18 l'autre la police t'est arrivé stoppé yo. Donc nan moment là la police a questionné yo pour connait qui ça, yo connait qui rôle yo t'es joué, qui mission yo t'es vinn accompli. Donc pour la police capable retracer et remonter à tout monde qui poko là. Et ça grave là, ça terrible là mesdames mademoiselles et messieurs. Recrutement bien fait, yo bien planifié, parce que tout monsieur sa yo, c'est ancien militaire dans pays Colombie, force spéciale. Donc, frères et sœurs, nous, bah, là, t'es gué moun lad, t'es gué moun lou nan kozi yo, ancien militaire, force spéciale. Donc, monsieur cherche moun pou yo cherche, moun ki gué technique, moun ki kon comment yo capable monter un plan pour que yo pas fait aucun coup raté. Voilà! Là, c'est photo haïtien américain qui participait dans Zak assassinat. La police présente photo yo. Je nous capable garder, nous gagne Jim Solage ensemble avec Joseph Vincent. Donc, des messieurs ça yo participé dans tout bagay. Donc, j'aime te capable dire, messieurs ça yo participé depuis les idées à vini. Depuis les théâtres à secler. Eh bien, yo planté. La pluie tombé. Messieurs, yo ouze, yo gratte, yo met engrais, et puis jusqu'à ce que récolte la fête, messieurs, yo là, yo participe là-dedans. Donc, nèg yo bien connaît qui ça yo tap fait, parce que si vous êtes dans hôtel ou t'as planifié, c'est que c'est pas, ouais, ça m'doula, c'est pas cause, j'en dis à cause interprète ou t'as vin gérer, non? Ou t'es comme ça, on vient faire très très bien. Gay, toi, l'autre, qui c'est Reinaldo Corventon, Gilbert Dragon, ensemble avec Christian Emmanuel. Moun sa yo, la police, est déjà stoppé yo, et yo rejoint plusieurs gros matériels lou, qui t'es participé dans assassinat la kayo. Lis matériel, la police joint kay moun sa yo arrêté, hein. En premier lieu, nous gay Reinaldo Corventon,
nous capable zam adje gros zam encore oui petit bagay pitine gros zam frères et sœurs. Est-ce qu'on cause? Est-ce qu'on histoire? Est-ce que n'est que fort oui n'est que fort Kay Gilbert Dragon hein, depuis sous nom et pas la bon monde. Eh bien la Kayli a joué une moto zam et badge compagnie donc monsieur lui même c'est lui qui loue machine gérer dossier ti sirène ouais ça me dit là pour passer piou 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 DEA this is DEA donc ouvert bah au passé. Eh bien c'est monsieur qui a tiré manœuvre technique ça. Mais lis non moun la police a cherché. Nous gagnons Badio Joseph Félix, nèg ULCC. Monsieur lui-même ça le fait. Est-ce qu'on t'a dosé nèg a travaillé dans ULCC oui. Monsieur ça le fait, il recevoir mercenaire. Il ba au manger. Donc s'il ba au côté pour loger, c'est que il ba au manger. Il loue caille tout près caille président météo. Donc mesdames, mademoiselles et messieurs, ça était compliqué. Donc question m'a posé tête pour président rester dans local ou des pour rester dans local côté qui gen moun bas niveau bagay la brase pour parce que quand même monsieur a entré comme son gros chef encore qui vient Louis Kaila ça sont l'autre gros problème encore parce que les complots a fait charger moun au niveau de l'état qui participer là-dedans n'est pas ta faire bagay là c'est parce que si c'est monsieur qui vient chercher Kay mette monsieur c'est que son Kay li connaît son Kay comme si il connaît mission là qu'a accompli là-dedans et ceci ou capable Kay là son Kay qui nos zone qui vraiment stratégique c'est parti bagay qui petit donc quand même et USGPN, monsieur qui compte toujours dans prendre cafou dans entre qui la 24 sur 24 yo si go équipe moun qui passe nous pas connait nous pas connait qui mission nèg yo vinn accompli et pour garder monsieur au seulement après yo gen macho yo semble militaire quand même nous ta supposé pi prudent dans bagay yo donc soit monsieur ka arrêté là depuis qu'il est depuis 6 juin oui parce yo nan kay là yo monté plan yo fait tout ça yo capable pour yo ouais yo a étudier zone pour connait comment yo pral faire débarquer kay président pour yo déposer la patte sous lui et ça monsieur fait encore qui plus grave en tant que haïtien yo utiliser non DIE yo fait fabrication logo immatriculation loue machine check sirène c'était rôle li ah monsieur joue un gros rôle dans movie ah non monsieur joue un gros rôle en dedans movie nous gagné ex sénateur John Joel Joseph. Monsieur joue un gros rôle lui-même. Li ba exam, li planifie rencontre, c'est lui qui fait liaison ak hôtel intellectuel yo. Li participe nan assassinat président, la police ap cherché le tout. Ala de cause papa, kout on fait dossier pe sénat, te gros moun nan pays te ka kontre. Ou ap frote, même jan on demoiselle dernièrement là me kontre qui fin acheter bagay crédit moun yo puis dit "Et ménage Lambert." Et ménage Lambert mieux oui. Oh, nèg la bay kob. Ménage Lambert, non, ménage président, sénat, ça veut dire l'autre semaine là. La madame président. Eh, hey, et n'est-ce que tu ménages en barrage, hein? Pas fait ça. N'est-ce que tu jeunesse, n'est-ce que tu viens fraîche? C'est pas ça Lambert, non? Disvers, non, yo. Son plaisir pour lui, la pache, t'es bagay moun yo crédit. Et puis pour lui, c'est ménage Lambert, parce qu'elle connaît immédiatement moun nan site, ici, t'es non Lambert. Donc, en pile moun ap gita comme si bali respire, parce que le son madame sénateur de la République, ça veut dire bobo, ago, palmarès, chame sénat. Alors, de cause, papa. Ou quoi, c'est zé, frère, c'est nous gagnons Rodolphe Jar. La police a cherché monsieur. Eh bien, monsieur lui-même ça le fait. Non seulement l'a acheté divers gros matériels lourds pour monsieur capable arriver péter porte entre kay président. Et monsieur tout li bay au côté pour yo loger parce que ont une équipe. Et non seulement ça tout, monsieur checker sirène pour gérer dans machine yo, il t'a fait des marches ça et tout. Donc, ou a gardé ti grenade, tout bagay net, n'importe porte monsieur rejoindre ou pas ta capable éclater. Pour ça pour y rentrer. Donc monsieur lui-même li participer dans zak assassinat tout. Et monsieur ça n'a pas gardé là lui-même li c'est Daisy Gordon Feli. Li c'est un avocat, li gen liaison ak divers lot gros compagnie sécurité et lui-même li passe monsieur yon en pile gros matériel tout li passe paye ou les au fin acheter. Donc même j'ouais mon seul carte de crédit qui paye pour tout nèg yo.
eh bien, monsieur lui-même, il passe payer matériel. Il veut dire l'argent, il passe plap, plap, il gère tout bagay. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça, c'est bilan, enquête là, et DGPNH là, présenté. Elle déclare, c'est chaque jour, il y a retard des messieurs, il y a façon pour être capable, et connecter toutes données ça, pour joindre vrai auteur intellectuel, assassinat, président Jovenel Moïse. Jean Kenté annoncé, mesdames, mademoiselles et messieurs, eh bien, président Brésil là vraiment en difficulté dans ce moment-là. Bah, c'est difficulté, petit, non? Gros difficulté, oui. Ça qui passe, monsieur, eh bien, président gagne une enquête depuis 10 ans de temps. Li pa jam passé. Une enquête, ou frère, c'est ça. Nous connaissons les moun gagne une enquête qui j'en bagaille là du. Yo fait le bois de l'eau. Yo fait le pompe, yo oule le nandra, oh oh, ok, pas chambassé. Donc, s'il te pas bon ici, ça nous tape fait. Nous tape juste là, on tipe, on tipe le navet là, nous mouille la cache. Et puis, nous mette le dans la fontaine. Mais jusqu'à présent, c'est que, ok, ça, pour qu'on chambassé. Donc, restez connectés ensemble avec nous pour nous capables de baou reste. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bagay yo compliqué. Et deuxième portion, photo président Jovenel Moïse prend la ri. Kounya la yop moutou photo je a yo rachi. Ah, bagay la pas facile, bagay la pas douce non. Et ceci m'gè pression, c'est pas sérieux publier photo ça pour montrer comment monsieur arrivé démonter président pièce par pièce. Et ne jounen jodi a, nan divers zones en Haïti ou à l'étranger, yo t'apprenne hommage ensemble avec président qui s'est bien. Donc, journée jodi a encore une autre fois et ça prouve comment que n'a vive nos sociétés qui vraiment hypocrite et non seulement ça tout, ça prouve nous que c'est les moun mouri n'a pas prendre qu'on importance li et ça prouve nous tout comment yon moun te campé ta bataille pour contre li. Donc en pile fois c'est les moun mouri les ça pral kon importance li et me songe et président Jovenel te font déclaration côté il te déclaré les n'ap travaillent au côté travail pour les nous pas là pour sentir que gagne en absence et jusqu'à présent là pour que j'aime gouvernement qui ca monter bien que les États-Unis lui même là met gros pression pour que élection capable arriver faite et les m'a regardé et responsable PHTK Liné Baltazar lui même lui déclaré le pas dans élection ensemble avec Ti Claude donc yo supposé gouvernement de transition et mon ca président c'est Joseph Lambert après Joseph Lambert fin président lui-même la premier ministre. Donc, en ce sens, mesdames, mademoiselles et messieurs, docteur Ariel Henry, t'es invité la presse nationale et internationale, journée mercredi 14 là, à 4 p.m. dans l'hôtel Caribe, pour venir bailler un point de presse, côté elle t'a présenté composition cabinet ministériel. Il a présenté cabinet ministériel ou quoi c'est cause à la côté que cause BCC pays d'Haïti. Eh bien mes nos ministres oui frères et sœurs en partie nous gagnons en premier lieu ministre affaires étrangères toujours Claude Joseph ministre justice là qui c'est secteur politique c'est Rockefeller Vincent ensemble avec Bert Dorsey qui fait partie des RDNP. Nous gagnons ministre intérieur qui c'est Lise Kitel, petite Dessaline. Nous gagnons ministre planification et qui c'est Denis Régis, PHTK. Nous gagnons ministre économie finance qui c'est Patrick Boisvert. Nous gagnons ministre affaires sociales là qui c'est docteur Gérard Gilles. Nous gagnons ministre éducation qui c'est Marie Lucie Joseph. Nous gagnons ministre santé à qui c'est docteur Marie Grégoire. Nous gagnons ministre agriculture là qui c'est Charles Lobredi, nous gagnons ministre TPTCA, travaux publics, pour bien dire qui c'est Rosemont Pradel, ministre culture, nous gagnons Pradel Henriques toujours, nous gagnons ministre commerce là, Liboko Joigny, nous gagnons ministre environnement qui c'est Simon Dieu Seldera, nous gagnons ministre sport là qui c'est Hannibal Kofi, hein? Nous gué ministre défense là moun ki pral défendre nous qui c'est Enold Joseph, ministre tourisme pou ko joine ni toujours nous ka poster pour place ça yo.
Donc enfin il y a une ministre condition féminine qui c'est Sophia Loreus. Elle a des causes. Doupsis mouri dans mes docteurs Ariel frères et sœurs. Doupsis mouri dans mes docteurs. Ala de ko, kala kote ge koze do peyi, monsieur. Ache, moko jam zezi ko sa. Kon sa peyi a ge blag la da? Non, franchement, kabinet ministériel. Bon, sa na fa peyi sa, bo. Claude Joseph ou pa premier ministre. Et Jean-Claude Joseph, chode vo bon na? Li an chou pral fin. Li an chou pral fin, même j'appuie bon tribunal. Hein? Ça qui passe comme ça. Monsieur devant bon nan wa samdou la, c'est comme si c'est lui-même qui porte lampe nan rara, il devant l'a éclairé. Et puis Ariel pense elle va le retirer Claude Joseph vina min lis ministre li bla vin place. Qui bon? Nan ki pays? Devant qui est? À la côté que cause papa. Frères, toujours dans cadre assassinat président Jovenel Moïse là. Est-ce que nous comptons type ça qui c'est docteur Emmanuel Sano? Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour un pile moun, docteur ça, son fake docteur, c'est pas un bon docteur. Mais c'est pasteur, tout ça, c'est moun qui a prêché. Bon, côté pasteur, yo. Bon, pas les pasteurs que qu'on a dans la manifestation, côté yo. Jovenel Moïse, yo pas fait quit. Et puis, même moun qui a pris moun mené dans le ciel, yo, oui, frère, c'est, ah, tchè! Quand j'en sais que t'es hypocrite, messieurs, ou pas t'en de faire quit! Même regrette, yon pas dit yon regrette. Moun ka prêche, oui, la parole de Dieu. Moun ki ta supposé lak pou pardonner avant, oui. Moun ki supposé remè prochain, yon, oui. Hey! Et dans ciel la, gèl apre, pi y a ivre. Moun ki ta supposé pi sensible dans société, parce que yon gon bib nan men yon, hein. Yon supposé pardonner. Yon supposé remè prochain, yon, wa. Parce que yon gon bib yon prêche. Et c'est vrai! Pas devant le pouvoir, frères et sœurs. À la côté, moun yon gen hen, c'est pasteur pas Borisit. Mais koun yon sak passe, yon ke bon, yon ke mon pasteur, on pasteur souple, nan assassinat. Hey! Soit nèg yon tetouye, Jésus, ma Jovenel yon va tatouye. Attends, gade nan niveau moun yon hypocrite, oui, frères et sœurs. Gade nan niveau moun yon coquin, oui, et pasteur ça, non ça. Mapte le dossier de monsieur, bagay la tris, oui. Pour pasteur a fait comprendre que le gros il gè contact gros université dans pays à l'étranger, li ramasse un total de $100,000 américains comme ça pour faire comprendre que la bay ti moun bouse pour aller étudier à l'étranger. Konn y a haïtien remè pote bourre depuis autant de bouse depuis autant de kay blanc, y a vendre tout avoir yo tout ça au gè dans pays d'Haïti. En façon pour qu'il arrive l'autre bois pour y aller étudier, ouais ça me dit là, et you know and then pour aller étudier en USA. Donc, monsieur lui-même qui finit ramasser toute cob là et pourtant il pas jamais gagné contact vrai. Quand il pas jamais gagné contact université vrai pour que l'ital fait suivi hein et puis il prend cob il marron qu'on y a c'est l'autre pasteur qui était en contact ensemble avec qui t'a ramasser tout monde qui obligé ramasser toute cob remettre chaque parent une façon pour l'église parle pour business ni pas craser parce que en pile monde qui gagne l'église pas bon ici nous connaissons ces business yo fait bon raconter nos histoires frères et sœurs. Gayon là gen un jeune homme qui travaille ensemble avec un prêtre. Nous konn wè comment gen des jeunes qui konn ensemble avec prêtre yo qui konn a pote kon ti bay un ti calice qu'on a pote qui konn a sonné bling bling. On n'aime pas lever dans bay catholique, pas vraiment konn bay yo. Si nous konn na kite commentaire pour moi c'est important. Et puis il toujours ensemble avec prêtre là, il toujours a pote quoi, il toujours a pliversé. Donc il commence konn bagay yo youn après l'autre. Et puis ça qui pral passer gon bon lè, li vinn kite zone nan, li vinn pa ensemble avec prêtre encore parce que vinn transférer père. Donc li même li obligé vinn kite zone nan parce que l'autre prêtre qui vinn yo vinn avec tout moun yo pa choisi comme si fait continuité ensemble avec elle. Et bien ça qui passé monsieur li même vinn kite zone nan, la reton l'autre côté. Reten la reton l'autre côté a comme étant donné gon paquet rad pour les prêtres là t'a pral il te remettre li. Et bien dit que faut me faire un jour pour me faire l'argent, faut me faire un jour pour me faire brasse parce que me converser déjà, me connais comment pour me prêcher, me font paquet de temps à servir ensemble avec père. Donc s'il parle me casse service là. Ça qui va le passer frères et sœurs. Et bien monsieur débarqué dans zone. Là il débarqué dans zone dans le monter l'église li et puis il bail mon communion, toute bagaille net. Monsieur seul prêtre dans zone, seul coq chanter.
Mariage crasé, moun besoin conseil, c'est côté li yo vini. Yo vin parler ensemble avec yo. Moun nan zon nan bali tout détail. Et puis gon lè, yo revoye prête là encore dans même district ça pour vin continuer faire accomplir mission li. Et bien ça qui pral passer mesdames, mademoiselles et messieurs pour bien expliquer nous. Pendant prête là lui-même, li pa chanm dan des messieurs, li pa chanm wel, la mandé pour li, yo di li paret là encore. Oh oh, les messieurs, les prêtres là tombé un bon dimanche pendant que la fait visite, là il tombé côté monsieur a chanté messe. Prêtre là a fini et puis j'ai monsieur qui était tombé dans j'ai prêtre là et puis monsieur qui était sous l'hôtel là il dit la paix avec nous toutes, fidèle répond. Et avec ou même tout. Et puis, il s'est dit, ou pas besoin de parler bagaille, la map séparé comme la veille. Fidèle, répond, amen. N'a fait place à Voix de l'Amérique pour ces formations nationales et internationales. N'a tourné dans un titan qui pas trop long. Dans le pays d'Haïti et aussi avec l'autre réaction qui sortit à l'étranger. Jodi a takou nou te kande lan grand titio, c'est un journée hommage pour président Jovenel Moïse et d'abord dans pays d'Haïti et ensuite dans New York Nations Unies. Mais avant nous aller dans journée hommage ça, nous toujours connaît que nous rete en contact nous même dans la Voix de l'Amérique avec département d'État, avec la Maison Blanche pour nous connaît position sur ça qui a passé dans pays d'Haïti et qu'on y a nous gain dernière position département d'État sous pays d'Haïti et nous pas le rejoindre que Sandra Dominique Lemaire. Et Sandra, qui dernière nouvelle qui sortit sous position les États-Unis par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Correspondant nous dans le département d'État, Nike Cheng, interviewé après-midi, assistant secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour affaires et ministère occidentaux, Mme Laura Lachman. Donc, merci à Lydie, nous rencontre que l'été gagné avec. Dimanche 11 juillet. Lydie, nous t'ai rencontré dimanche 11 juillet avec sénateur Lambert. Nous rencontré tout premier ministre A.I. Claude Joseph et puis premier ministre désigné Dr. Henry. Nous relayer même message là by tous les trois messieurs Sayo qui fait nous encourager au travail ensemble, prendre Sayo, organiser un processus inclusif qui gagne participation plusieurs partis politiques avec membres société civile là pour choisir un gouvernement de consensus qui est capable de rétablir stabilité en Haïti et qui est capable d'organiser élection présidentielle avec législative en estable. Après ça, il dit nous, solution pour crise politique là, doit une solution haïtienne, donc n'a compté sur eux. Et nous parler pour nous bailler tout support yo besoin pour travailler ensemble, pour les têtes ensemble, choisir un gouvernement de consensus. Absolument, les États-Unis avec partenaires Lio, dans la communauté internationale là, appuyer un gouvernement qui est inclusif avec qui crédible. Et nous demander lui parce que nous connaissons que et gagne quelques leaders politiques qui croient que l'élection a été faite en Haïti en 2022. Mais ça, Mme Lachman, si nous par rapport avec ça. Pour les États-Unis, c'est essentiel pour l'élection faite pour choisir le président avec membre parlement, année ça. Raison qui fait que nous croyons ça, c'est parce que Haïti a fait face avec un vide au point de vue gouvernance depuis longtemps déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à répondre aux besoins peuple haïtien. Haïti a fait face avec un pile gros problèmes. Il y a insécurité, il y a un problème économique, problème politique et puis tout au point de vue santé qui méritait régler. Et pour faire face avec ça, il faut qu'il y ait trois branches gouvernement qui a fonctionné comme ça doit. Et qui répondent aux questions peuple haïtien. Donc, l'autre question que nous connaissons qui est très intéressée Haïti, Jacqueline, c'est la question troupio. Est-ce que les États-Unis peuvent envoyer troupes en Haïti? Mais ça, Mme Lachman, dis-nous, leur nous poser des questions. Ça, Lydie, semaine passée, le premier ministre Haïti a envoyé une lettre by les États-Unis et puis tout, Nations Unies, côté lui demander assistance. Pour protéger infrastructures critiques pays d'Haïti, pour sécuriser élections et pour assister avec investigation sur l'assassinat président Moïse.
Donc, n'a travaille avec le gouvernement haïtien pour déterminer si gens que nous capables d'aider. Le correspondant nous essayer ouais exactement si ça veut dire que les États-Unis pas voyer trop ou bien pas voyer trop. Madame Wachman répond que nous pas été en rien sous table. Donc toute bagarre est toujours possible, mais n'a essayé comprendre plus bien qui ça exactement que vous besoin. Par exemple, nous avons voyé plus de monde pour aider la police nationale haïtienne combattre les violences gagnées. Donc, c'est une conversation que nous gagnons avec les responsables haïtiens tous les jours. Jacqueline. Et si nous avons tout, nous avons réponse, le nom de qui le Haïti va recevoir vaccin COVID. Est-ce que nous avons dit nous saluer tout ça, Jacqueline? Sandra, une minute. OK, dans une minute, Haïti va recevoir vaccin COVID-19 à l'heure comme ça, madame Larkin dit, nous gain au premier lot vaccin qui peut arriver à Haïti dans ici et ça tant, il pas précisé combien de jours exactement. Mais il dit après ça nous va gagner un deuxième lot vaccin que nous va envoyer by Haïti. Il dit nous que ça va dépendre de combien espace qui gagne disponible pour stocker vaccin ça yo. Mais il dit que moins capable dire les États-Unis prend engagement pour envoyer vaccin by Haïti le plus vite possible. Merci. Merci Sandra, Sandra Dominique Lemaire qui tape dans nos dernières positions les États-Unis sous ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Côté que nous avons gagné une interview, la Voix de l'Amérique a gagné une interview avec l'assistant secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour affaires et hémisphère occidentale, Mme Laura Lachman, qui te répond à la question la Voix de l'Amérique sous position les États-Unis sur un paquet de questions sensibles. Merci Sandra. Et puis l'autre point dans l'actualité, tu as dit le grand titre, tu as répété encore que aujourd'hui c'était un journée et hommage pour président Jovenel Moïse, dans mémoire président Jovenel Moïse, d'abord dans Port-au-Prince sous l'obédience délégué départemental l'Ouest là, Gary Bernadotte, plusieurs militants politiques proches président Jovenel Moïse déposaient un gerbe-fleur dans mémoire défunt devant Palais National là. Entendez monsieur Bernadotte cap expliquer pour qui ça que yo prend yo un initiative comme ça. Ça fait 8 jours, jour pour jour, et nous estimons que sous 8 jours, il faut deviner exactement pour nous mémorer, pour nous faire. Et j'ai ça aujourd'hui parce que le président a dit plusieurs fois dans toute interview, il dit que et aller n'a pas de problème, mais ça n'a fait avec la famille. Et aujourd'hui, nous faisons partie de la famille. Aujourd'hui, non seulement nous sommes délégués départementaux, mais nous sommes qui fait 6 ans et 5 mois Jovenel Moïse parce que moi j'ai commencé avec elle depuis le premier jour dans la campagne là. Et jusqu'à 10 derniers temps parce que je suis toujours observé. Ça veut dire que je pense que nous connaissons ça, ça représente pour moi. Et je ne sais pas si je me trouve bien si je dis que je ne prends pas l'initiative ça pour me faire. Et ceci, chaque fête là, et je dis pour nous tous haïtiens pour nous réfléchir sur ça. Parce que, et que vous avez mes Jovenel ou pas mes Jovenel, mais étant qu'haïtien, je pense que ça. Nous tous haïtiens sommes conscients que l'île est le temps, et je me dis toujours dans toute interview, on fait l'île est le temps pour bombarder qui change dans le pays. Nous souhaitons que nous avons tiré une leçon de ça, et pour ça, le président va couler en vain pour nous-mêmes haïtiens pour nous faire l'autre bagarre à pays. Déjà, tout le monde, Noël, c'est pas. En fait, ça, Noël, c'est pour bagarre un monde qui a fond humain. Mais comme nous croyons dans la justice pays, nous sommes attachés à. D'accord, l'institution dans le pays, nous, n'attendons la justice digne exactement. Donc, c'était délégué départemental l'Ouest, là, Gary Bernadotte, dans le moment que vous apprenez un hommage par le président, dans la mémoire président Jovenel Moïse devant Palais National. Là. Et dans le moment, ça a tout gagné plusieurs militants politiques qui proches président Jovenel Moïse. Qui mandait pour la justice, pour faire lumière sur l'assassinat président Jovenel Moïse? Entendez-vous. Qui devait vivre moi en campagne, nous aujourd'hui, nous pas camper, nous continuons la bataille là. Président Jovenel, mon traverse, mes militaires qui mettent là, ils continuent vivant toujours. Ça veut dire que vous n'avez pas mourir. Nous souhaitons, madame Martine Moïse, bon établissement. Nous avons dit comme ça, ma restitution, parce que la bataille a fait
commencé. Mes amis, peuple haïtien, nous prenons note. Nous sommes des méchants, nous sommes des criminels. Oligarchie, ça, nous sommes des États après ton pays. Je dis à nos bons chefs, on est qui mettait des salines pour nous promettre tout le monde, pour nous dire que nous sommes fraîches dans Haïti, les BA. Mais je dis, mais ça renverse la ville. Je dis, elle, comme si c'était criminel là. Je dis, elle, comme si c'était un gros assassin. Natinet Sayo, et on va vivre plus longtemps que ça toujours. Nous souhaitons justice pour le président Jovenel et la famille. Je ne suis pas capable de faire des forces, je ne suis pas capable de faire ça pour te maler. Chaque jour, je me lève de l'Olanger pour le président Jovenel parce que je sacrifie Papa Nation. Je ne peux pas dire encore. Tout le monde est pour qui cause le président Jovenel Moïse. Et puis tout le monde qui a assassiné Jovenel Moïse, même gens avec un PEA. Depuis longtemps, c'est comme ça. Depuis 50 ans, c'était comme ça. Depuis plus que 50 ans, tout c'était toujours comme ça. Et c'est le système qui est à ça. Et tout autant, le système n'a pas changé. Nous avons toujours été là et tanouillé. Parce que si nous avons après été là, si nous avons si cheve kalalou, après été en haut, et bien sous ces 100, si et si nous avons été là, et comme ça, il y a l'autre gens encore, non? Dis-nous pour qui ça activité ça. Et femme tout nous-mêmes, c'est Mackinson Kangé, porte-parole Alliance démocratique contre la transition en Haïti. Et comme tout le monde te connaît, nous-mêmes nous te lancé mouvement ça, c'est juste pour nous te venir lancer un signal clair by justice pays nous pour nous dire que aujourd'hui là sans président pas couler pour grand merci. D'ailleurs tout le monde passe savoir dans quel contexte président mouri, tout le monde passe savoir pour qui ça président mouri parce que c'est parce que il te prend bataille monde qui puis mal il te voyer sous dol juste pour te goumer contre oligarque corrompu ça. Et nous-mêmes au niveau de Alliance démocratique contre la transition en Haïti, nous déterminons plus que jamais. Jodian là, nous demandons, faut que le président Jovenel joigne justice et n'a boumé au péril de notre vie pour justice arriver, rendre et gens comme ça doit. Et n'a profité de tout le monde qui connaît, qui a participé dans le crime ça, soit de près ou de loin, tout le monde qui t'a financé et commando ça ou bien mercenaire ça, pour dégager à grande tête. Pas quitter ce peuple haïtien. Qui compte côté orété, qui compte côté musicien pour aller déchouquer. Portez tête nous venir, parce que nous-mêmes nous déterminons plus que jamais. Bataille président Jovenel, tape mené, du pape mené pour grand merci. Et nous-mêmes, nous prenons responsabilité, nous prenons la relève pour nous gommer contre oligarque corrompu ça, avec politiciens radicaux et tout. Je dis là, moi, qui a profilé, qui pour faire à quoi pour venir mettre payant dans tout que lieu et puis mal. Donc c'était devant Palais National là aujourd'hui à côté que militants qui proche président Jovenel Moïse y était rendu hommage côté ont été déposé un jet fleur dans mémoire président Jovenel Moïse. C'est même exercice là tout qui était déroulé dans New York et plus précisément dans Nations Unies côté organisation mondial là rendons hommage dans mémoire président Jovenel Moïse qui était mort assassiné bonheur matin 7 juillet 2021 et Jean-Robert absolument Jean-Robert c'était un moment spécial Jean-Robert. Oui Jacqueline, j'en dis c'est un moment spécial côté tout délégué qui était défilé devant et assemblée à pour un hommage mais tout était fait voir français, j'ai dit même parole là, yo condamné ça qui passé à pendant que yo mandé justice pour ancien défunt président pour président Jovenel Moïse et mandé autorité pour mener enquête pour traîner moun devant la justice. Gen par exemple représentant des États-Unis dans Nations Unies madame Linda Thomas Greenfield qui lui-même demandé acteurs pour travailler ensemble pour prioriser calme et stabilité dans moment que dans moment difficile ça et que lui rappeler que partenariat entre États-Unis avec Haïti partenariat ça a continué dans moment difficile ça Jacques. I condemn in the strongest possible terms the assassination of President Jovenel Moïse. Nations Unies rend un dernier hommage pour le président Jovenel Moïse dans l'occasion d'une cérémonie spéciale qui déroule dans le cadre général de l'Organisation internationale à New York. Vice-président de l'Assemblée générale, Keisha McGuire, qui était président de la séance, a tenu un message pour condamner l'assassinat qui fait contre le président Jovenel Moïse cette journée passée.
Non, mais ça là, dit président, envoyé ce parti, by Pepe Haïtien, famille présidentielle là, avec tout le monde que la mort ça a affecté pendant les mandats, autorité pour yon enquête sérieux déroulé pour joindre et traîner devant la justice pour qui est responsable assassinat horrible ça. Le président dit, je dis à pas de place pour haïssement, violence ou bien raciste dans quelque société dans la ville là. Pour lui-même, assassinat président Jovenel Moïse là, représente yon coup pour démocratie. Pendant les mandats des peuples là, pour calmer, mettre de l'honneur divin, respecter la loi. D'y ajouter, nous pas capable de permettre que j'ai dit ça, effacer l'effort qui est déjà fait pour dérailler le travail qui est déjà fait dans le pays. Today, we say goodbye not only to a head of state, but to a friend, a father, a husband. Assistant secrétaire général des Nations Unies, Amina Jane Mohamed, qui dépend la parole dans ce circonstance-là, a lu un message spécial dans le secrétaire général des Nations Unies. Il fait voir lui, fait un seul avec les peuples haïtiens pour condamner l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Jodi a nous rend un dernier hommage, pas seulement à un homme d'État, mais à un ami, un papa avec un mari. Nous voulons condoléances nous bail pour Mme Martine Moïse, trois petites lieux avec tout le peuple haïtien. Peuple haïtien a vivre la mort tragique ça qui c'est un coup dur pour démocratie. Moi t'ai visité Haïti après défunt président et fin prêté serment. Côté nous t'ai constaté travail, il t'ai commencé fait dans domaine agriculture, infrastructure avec énergie, il t'ai lancé dans plusieurs communautés dans sud pays. Président Moïse te comprendre complexité avec défi te gain devant, c'est toujours madame n'a pas parlé. Diplomate là chanté louange pour travail défunt t'ai fait pour éradiquer choléra pendant il était sous pouvoir. C'était un président qui t'ai gain gros vision, gros rêve. We urge all political parties, civil society groups, and other stakeholders to work together to prioritize calm and stability. At this challenging and most difficult moment. Responsable a parlé de engagement États-Unis prend pour aider Haïti dans enquête là avec l'autre assistance pays a besoin dans occasion ça. Représentant Haïti à dans Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodrigue te remercie organisation internationale là pour hommage ça li rend président Jovenel Moïse. Dans cette conjoncture troublée, Haïti a plus que jamais besoin de l'appui de la communauté internationale pour nous accompagner face aux défis auxquels nous trouvons confrontés, dont la tenue d'un dialogue national inclusif, la tenue des élections démocratiques libres et transparentes et un appui significatif aux capacités du gouvernement à répondre aux besoins socio-économiques de la population. Madame la vice-présidente, Madame la représentante du secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, de nous retrouver dans ce contexte à la fin de ce crime crapuleux, il y a une semaine tout juste, nous attriste certes. Cependant, ceux qui connaissent les méandres de la scène économique, politique et sociale d'Haïti savent qu'un Mapu, cet arbre mystique et mythique dans l'imaginaire haïtien, ne sera pas oublié. Nous reprenons ces paroles pour citer Toussaint Louverture, le précurseur de tous nos héros nationaux, lors de son arrestation pour être transporté en France et incarcéré au Fort de Joux où il trouva la mort. Ils ont abattu l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par les racines car elles sont profondes et nombreuses. Je voudrais saluer l'engagement du président Jovenel Moïse dans le combat difficile qu'il a mené pour changer les choses en Haïti et que nous devons poursuivre en sa mémoire. Représentant CARICOM avec représentant l'autre bloc régional, yo même tout tire un hommage à président Jovenel Moïse. Jean-Bert Philippe, Washington. Eh bien, bonjour à Jacqueline, mais tout délégué yo, pratiquement, eh bien, yo tout encouragé autorité haïtien yo pour que yo même yo continue à mener enquête pour traîner devant la justice, pour bailler justice, parce que je dis ça qui passe à tout, il n'y a pas de décourager l'autorité haïtienne, pas de décourager les peuples haïtiens. Pour Haïti continuer à marcher, côté l'IA, et continuer à avancer pour plus devant, malgré le condamné ça qui passe à tout.
Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, tu es sur pour nous au Malsa que y aura dans mémoire. Président Jovenel Moïse dans local Nations Unies, dans New York. Mes amis, pendant ce temps, pas oublier. Mettre corvée et corps, attention, pas capon, masse protégé, masse protégé. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, ou à suivre un programme en langue créole haïtienne. Nous saluons tous les amis Facebook, nous, qui étaient là avec nous tout à l'heure et qui continuent avec nous. Et n'a pas entré dans le chapitre politique là, leader PHTK, en parlant de agronome Balthazar, Liné Balthazar, lui confirmé que parti l'a dirigé avec divers lots, signé un accord politique qui t'a doué abouti à un choix sénateur Joseph Lambert comme président provisoire pays d'Haïti après assassinat président Jovenel Moïse mercredi 7 juillet 2021. Entendez et agronome Balthazar dans micro et devant caméra correspondant dans Port-au-Prince, Renan Toussaint. Comme il y a vacances dans tête l'État, pas un président et pas un premier ministre, pour nous combler vacances, ça y est. Réflexe tout le monde, c'est aller dans l'article 149 de la Constitution. Et l'article 149 là, il y a trois alinéas là-dedans. Deux premiers alinéas disent ceci, c'est que les vacances présidentielles, le début de mandat du président, c'est le Conseil des ministres qui, dans les 60 jours, organise de nouvelles élections pour combler le reste mandat président qui n'est pas là. Mais si vacances la fête dans la quatrième année de mandat président, à partir de la quatrième année de mandat, c'est la casse à nous, ils ont pas fait appel au Conseil des ministres encore, ils ont fait appel à l'Assemblée nationale. Et comme nous n'avons pas gagné l'Assemblée nationale parce que nous n'avons pas gagné la Chambre des députés, nous voulons rester le plus près possible de la Constitution de 1987 en son article 149. Nous dit, en l'absence de l'Assemblée nationale, il y a le Sénat qui disposait encore de 10 élus légitimes. Ce n'est pas des gens qui sont là pour régler les affaires courantes. Ce n'est pas des gens qui sont là pour venir de façon conjoncturelle. Il y a le mandat a fini jusqu'au 7 janvier, deuxième lundi de janvier 2023. Donc, on nous rapproche nous, de cette disposition de l'article 149. Et c'est dans ce sens-là nous demandé. Et que à ce que le Sénat, l'institution sénatoriale, désigne un des élus nationaux qui reste comme président provisoire pour nous capable combler le vide qui gagne la tête pays. En ce sens-là, un protocole d'accord politique qui signe entre des forces politiques, dont des forces de l'opposition qui étaient en opposition à M. Jovenel Moïse, nous mettons-nous d'accord sur un duo pour diriger tête d'État pour combler les vacances là avec le sénateur Lambert comme président provisoire et le premier ministre Ariel Henry qui disposait d'un arrêté du 7-5 juillet qui nommait le premier ministre par le président de la République. Et ça, nous commençons à créer consensus. Ça, c'est position PHTK? Ça, c'est position ou ensemble de partis politiques qui signent un protocole d'entente et PHTK et allié PHTK, nous signons un protocole d'entente ça à côté de d'autres partis politiques de l'opposition pour nous capables de stabiliser, mettre le pays à son rail de stabilité, pour nous capables de mettre un premier ministre de consensus en la personne du docteur Ariel Henry, deux, un gouvernement de consensus qui va gagner l'ensemble des forces politiques là-dedans, et trois, mettre un CEP de consensus qui pour mener nous vers des élections crédibles et inclusives d'ici à la fin de l'année. Toutes les fois que il y a des conditions de sécurité qui vient en assurer le pays. Voilà proposition que nous fait et nous à la recherche de consensus et si il y a un autre groupe monde qui gagne une autre proposition qui est capable de rapprocher le plus possible de la Constitution de 1987, il va être fait, mais nous-mêmes en attendant, c'est consensus ça que nous avons cherché autour du docteur Ariel Henry pour nous et d'un président provisoire pour nous capable et assurer stabilité politique dans notre pays. Donc c'était agronome Liné Balthazar. Quand nous parlons de la province, nous parlons d'abord de Cap-Haïtien avec correspondant nous, Yvan Martin Jasmin. 14 juillet 2021, c'est exactement 8 jours où le peuple haïtien a été levé avec nouvel assassinat grave chef d'État haïtien, Jovenel Moïse. Voilà, tout de suite maintenant, la vie a été vraiment calme dans le Cap-Haïtien, particulièrement au lendemain de l'information.
activité était vraiment ralentie dans différents marchés publics, activité sociale, activité culturelle, pratiquement pas réalisée dans la deuxième ville pays et cap haïtien. Situation ça vient joindre avec pénurie de gaz qui vient dans différentes pompes dans la deuxième ville pays cap haïtien. Côté quelquefois, les distributions gaz dans Popio, et bien c'est avec un pile de discussion, un pile de main, un pile de gallon que le monde de la population qui besoin d'utiliser gaz pour arriver à approvisionner tête. Bon, on n'est pas autorité, comment ça y est? Il y a un délégué départemental nord, de Pierrot de Gaulle Augustin, que la Voix d'Amérique qui parlait avec lui, qui dit que c'est avec un pile de consternation que eux-mêmes, en tant que représentant exécutif dans le département nord, en tant que proche ancien président Jovenel Moïse, qui ont été apprendre le nouvel assassinat président. Le délégué départemental a annoncé diverses mesures, diverses dispositions qui prend dans le cadre funérailles chef, ancien chef d'État haïtien, Jovenel Moïse. Cependant, M. Pierrot de Gaulle Augustin est en mesure pour confirmer effectivement est-ce que le cadavre chef d'État a trouvé vraiment dans un mort privé dans le cap haïtien. Toutefois. Donc, c'était correspondant dans le cap haïtien. Yvan Martin Jasmin, qu'on y a, nous parle dans Effort Liberté avec Jodel Junior Saint-Ville. Rapidement, yon mise à jour, amis internautes, téléspectateurs, la Voix de l'Amérique, yo, et sous sa cap dominé actualité dans le département nord-est PIA. Et li pas différent de l'autre département, nous connaissons ces questions. Assassinat président République, la Jovenel Moïse, et dans la nuit de mardi 6 pour l'ouvrir mercredi 7 juillet 2021. Depuis. Timidement, et notamment Banque Commerciale qui t'a pral ouvert. Et à partir de lundi qui sont passés là, gain et en pile d'autres activités qui sont censées reprendre, et surtout au niveau de PAC industriel Caracol. Là. Et puis, dans Waramet, t'es gagné et marché bilatéral là, que l'autorité dominicaine a pris une décision pour fermer jusqu'à minute que n'a parlé là, et bien marché a censé fermer, pas gagné activité au niveau de frontières là. Et mais côté circulation, motocyclette, machine, tout ça, nous sommes censés reprendre normalement dans le département. Hein? Et malgré nous connaissons un problème et gaz qui posait, et non seulement ou pas joindre ni facile, mais qui très cher. Galon gasoline qui a vendu dans la minute n'a pas allé là, 800 gouttes, 700 gouttes dans métropole département nord-est là et Fort Liberté. Mais maisons de commerciaux, que ce soit du côté de Trou du Nord et Fort Liberté, Waramet, eh bien, ils ont relouvri. Et nous faisons l'autre remarque, puisque nous connaissons la question COVID-19 là, qui est toujours là. Nous remarquons qu'il y a une sorte de négligence bon côté population, puisque pas y a tellement en pile monde qui mettait cache-nez, surtout dans le marché public, j'aime dire là, côté activité où reprendre, et que ce soit du côté de Fort Liberté. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est comme ça la situation est dans le département nord-est là. Jusqu'à présent, eh bien, activité yo même yo censé reprendre, mais ça n'a pas empêché que gagne un peu le monde qui a demandé justice pour président République là, Jovenel Moïse. Non pas, c'est Jodla Junior Saint-Ville, depuis Fort Liberté, pour la Voix de l'Amérique. Merci, Jodley Junior Saint-Ville. Et c'est avec dernier correspondant ça que nous avons mis fin dans le programme. Nous avons rappelé quelques points. D'abord, aujourd'hui, c'était une journée hommage dans la mémoire du président Jovenel Moïse dans les Nations Unies et devant le Palais National. Et puis, il y a une déclaration tout assistant secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour affaires occidentales, Mme Laura Lachman, qui fait qu'on ait une autre fois encore sous question pour les États-Unis, vous et troupes pour vos militaires soldats en Haïti, son question que il a dit que il a réfléchi sur lui pas gagné que il retiré sous table là et que il disposé travail avec un gouvernement de consensus et puis États-Unis paraît pour le voyer vaccin dans pays d'Haïti. Eh ben c'est là nous mettez fin dans programme là et en attendant les funérailles nous pas qu'on est côté croyé parce que c'était une nouvelle te dit le cap et puis bon l'autre nouvelle encore. Donc c'est là n'a prêté. Mesdames messieurs, c'est un plaisir pour nous te servir. Moi c'est Jacques Lemelizer. M ramasse paquet mwen cause habitant pa mize la ville m pralé mais m'ap kito nan bra papa bondje parce que c'est lui même seul qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour bonsoir tout moun, n'ap croisé dans l'autre vidéo. Au revoir.